Aujourd'hui, il ne s'attendait pas à ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire présentement en cliquant sur le petit bouton rouge en bas « Abonner ». Et pour vous remercier, je vous ai mis un autre lien en dessous. Si vous cliquez là, j'ai un petit cadeau pour vous. Ici Chantal Brault, néosexopédienne, spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Toujours à l'époque de la boutique érotique, j'ai un client qui rentre dans le magasin. Et c'est un client d'un certain âge. Là, il doit avoir 50-55 ans. Il a des cheveux gris. Mais le client, on le voit, il est gêné, il est mal à l'aise, mais sa façon de réagir, c'est que il ridiculise à peu près tout ce qu'il voit. Fait que, il est devant un compartiment, il voit des huiles à massage, il va voir des lubrifiants, il va voir n'importe quelle chose, n'importe quoi qu'il va trouver. Il va trouver à ridiculiser ce qu'il voit. Puis ça, franchement, ça commence à être agressant. Moi, je l'observe, là, puis je fais comme... Ça commence à me faire, OK, là, un moment donné, là, un, deux, c'est pas payé. Mais là, quand tu commences à ridiculiser tout, là, ça commence à faire, tu sais. Et je m'aperçois, parce que j'ai d'autres clients dans le magasin, que les autres clients se sentent aussi mal. Parce qu'en fait, hein, en ridiculisant les produits, ça venait quasiment dire aux autres, si vous êtes bien épais à vous autres, là, vous êtes donc bien niaiseux d'acheter ce genre de produit-là. Donc, je m'en vais voir le monsieur. Et je lui dis, « Je m'excuse, monsieur, vous avez peut-être pas remarqué, mais c'était marqué 18 ans sur la porte en entrant. » Là, il s'attendait pas, mais pas du tout à ça, là. Il me regarde en me disant, « Ben voyons, j'ai-tu l'air de pas être 18 ans, tu sais? » J'ai dit, « D'âge moral. » Là, il est bouche bée, il sait plus quoi répondre, il sait plus quoi dire. Là, il commence à réaliser son comportement, à réaliser ce qu'il vient de faire. Il regarde alentour de lui, puis il voit que les autres personnes, tu sais. Fait que là, il fait « Je suis désolée. Je m'excuse. Merci. » Fait que j'ai envie d'abord. Je le laisse aller. Fait que ça, le restant de sa visite a très, très bien été. Quand il est reparti, il a été « Merci beaucoup. Merci. Je suis désolée. Merci. » Puis il est parti. Fait que c'était une belle expérience. Mais voyez-vous à quel point c'est important de se faire respecter. Dans ce cas-ci, c'était les produits qui n'étaient pas respectés. Dans le fond, c'était l'idée des produits, les gens qui viennent magasiner ça. Fait que ce territoire-là n'était pas respecté. C'était pas volontaire, là. T'sais, il était gêné. Fait que c'était sa réaction parce qu'il y avait du jugement face à ces produits-là. Fait que c'est de cette façon-là que ça ressortait. Et moi, en lui faisant voir que son comportement était immature, ça l'a frappé. Il a fait... Ouais, franchement, c'est vrai. Tu sais, c'était pas sa place, là. Fait qu'il s'est replacé, puis il a repris de la maturité en l'espace de quelques secondes. Il a réfléchi, il a changé son comportement, et il était très content. Il était très content. Fait que c'est important de se faire respecter, parce qu'en fait, ce que ça l'a donné, si je n'avais pas été, ça aurait fait que, un, lui aurait continué à être mal à l'aise, il aurait continué à mal se sentir. Les autres clients auraient été très mal à l'aise également et se seraient sentis jugés, seraient partis comme ça avec un sentiment de vraiment se faire juger et de ridiculiser et tout ça. Et moi non plus, je me sentais pas bien là-dedans, fait que je trouvais que ça n'avait pas sa place. Et donc, je lui ai demandé poliment. Et c'est sûr que le 18 ans, c'est une question d'âge moral. Fait que si il avait continué à vouloir ridiculiser, je lui aurais dit, « Monsieur, je suis désolée, mais je vais vous demander de sortir. » Je lui aurais demandé de sortir. Fait que voilà. Si vous n'avez toujours pas pesé sur le piton en bas pour vous abonner à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et n'oubliez pas votre cadeau avant de partir. Merci. À la prochaine.